Maxime, une victoire, mais quand même, c'était peut-être pas aussi facile qu'on pensait. Ouais, on a quand même bien joué dans l'ensemble, tu sais. Hier, on a peut-être eu une game un peu plus difficile, puis l'important, c'était de bouncer back, puis d'en jouer une meilleure qu'hier. Là. OK, est-ce que tu crois, Maxime, qu'avec quand même, on a vu un changement qui a été apporté par l'entraîneur-chef, Steve. Quand le sifflet se faisait entendre, vous partiez de là et vous retourniez au banc? Ouais, c'était vraiment important de revenir à ce qu'on faisait tout au long des séries. C'est ça qui nous a apporté les power play. Puis, tu sais, dans la série contre les Lions, on a resté loin de la boîte, puis ça nous a permis de gagner. Là. Pour la première fois de la Coupe TELUS, tu as enfin touché le fond du filet. Ça doit être un soulagement un petit peu. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien, mais tu sais, on a d'autres joueurs aussi dans l'équipe. Et tout le monde contribue, puis c'est ça qui va nous faire gagner. Là. Et pour toi, ta performance aujourd'hui, est-ce que tu peux nous apporter encore un petit peu plus? Ouais, c'est sûr, tu sais, on n'est jamais assez satisfait de notre partie, mais dans l'ensemble, je pense que toute l'équipe a bien joué, on s'est regroupé, c'était vraiment important de revenir fort puis de montrer qu'on avait du caractère. Là. Mais disons, Maxime, pour vous autres, la transition quand même se faisait beaucoup mieux aujourd'hui, là, de la défensive vers l'offensive, puis ça a porté fruit. Ouais, c'était des ajustements qu'on a fait avec l'entraîneur, tu sais, on n'a pas fait de vidéo sur les autres équipes ou quelque chose, c'était vraiment l'important, c'était sur nous-mêmes, puis... Tu sais, on l'a vu sur la glace, ça a mieux été. Là. Merci Maxime, bonne chance de demain.